premières étapes de cette année de chantier ont été la démolition et le désamiantage du parking existant. Ensuite, nous avons procédé à la réalisation des parois moulées qui donc permettent de définir l'enceinte du projet et également de soutenir les avoisinants. Nous avons ensuite réalisé la phase d'excavation des terres en place que nous avons réalisée grâce à l'appel Caméléon, entre autres. Et maintenant, nous allons réaliser l'infrastructure du projet, c'est-à-dire le gros œuvre. Nous allons mettre en place une grue de 60 mètres de haut par 60 mètres de flèche qui va nous permettre donc de réaliser et de couler les 7000 mètres cubes de béton nécessaires à la réalisation du parking. La spécificité de cette grue, c'est qu'elle doit donc être au fond du parking et également être au-dessus du point le plus haut de la cathédrale de Montauban. C'est pour ça que cette grue fait 70 mètres de haut. Faire un chantier d'une technicité pareille, dans un délai pareil, à cet endroit, c'est vraiment, techniquement, c'est vraiment une prouesse. Le projet aujourd'hui se passe en ce qu'on appelle une DSP, une délégation de services publics. Parce que les enjeux pour un projet d'une telle ampleur sont vraiment très importants. Donc aujourd'hui, Interparking, qui construit le parking, est maître d'ouvrage. C'est lui qui va exploiter pendant 30 ans le parking pour compenser le coût de construction.